la 12e étape du Tour d'Italie 1979 entre Alessandria dans le Piémont et Saint-Vincent dans la vallée d'Aoste. Après un début d'étape en plaine, on a eu quelques reliefs dans le final, notamment la montée finale vers la ligne d'arrivée où Roger de Vlaeminck est sorti seul du groupe Maillot Rose avec tous les prétendants. Aucun coureur important a été distancé dans le final. Et donc, on va assister à une 22e et dernière victoire en carrière sur le Tour d'Italie pour Roger de Vlaeminck qui s'impose donc en costaud et en solitaire à Saint-Vincent. Derrière, à 3 secondes, c'est le maillot rose Giuseppe Saronni qui règle le groupe de chasse devant Moser et Pierino Gavazzi. Derrière, encore quelques coureurs ont été distancés dans cette montée finale et perdent un peu de temps. On pense notamment au tenant du titre, Joseph de Mouin, tandis que vous voyez que Giuseppe Saronni conserve son maillot rose de leader. Maintenant, place au classement de l'étape à gauche et au classement général à droite après 12 étapes. Ciao tout le monde.